Bonsoir coach. Bonsoir. Tout d'abord, comment allez-vous après toutes ces émotions vécues lors du Mondial en Russie ? Ça va, ça se passe très bien. J'ai pu bien récupérer, donc retrouver la famille en France, en Angleterre, partout au Sénégal. Donc on a bien récupéré, on est prêt pour repartir encore. Prêt pour repartir avec l'objectif CAN 2019. Donc vous êtes toujours à la tête de la sélection du Sénégal avec un objectif fixé par le président. Il faut la gagner quoi, cette fois-ci. Alors comment répondre à cette attente au pays justement de gagner cette Coupe d'Afrique des Nations l'an prochain ? Bah écoutez, dans le football de haut niveau, il y a toujours des objectifs. Donc depuis que je suis à la tête de cette sélection, il y a toujours eu des objectifs. Dieu merci, on les a toujours atteints. Donc c'est un objectif, un autre parmi tant d'autres. Donc dans le football, c'est ça, on est des compétiteurs. Mais comme j'ai dit, avant de parler de gagner une Coupe d'Afrique, il faut d'abord se qualifier. Nous savons qu'il y a un match difficile qui nous attend face à l'équipe malgache au Madagascar. L'équipe du Sénégal a un match très difficile là-bas. Donc aujourd'hui, nous nous préparons pour justement aller faire le meilleur résultat là-bas. C'est une place difficile à aller. On est déjà allé là-bas. Donc comme je l'ai dit, tout est possible dans le football. Mais cette Coupe d'Afrique sera une Coupe d'Afrique très relevée. Tous les grands y seront. Le Sénégal fait partie des grands, donc nous devons tenir aujourd'hui notre rang à ce niveau-là. Vous êtes armé en plus avec des joueurs qui se sont révélés, Mbaye Niang notamment, Youssouf Sabali, Moussa Wage qui est aujourd'hui au Barça B. Avec tous ces joueurs-là, quand même, vous avez une assise supplémentaire, une expérience supplémentaire pour aborder ces éliminatoires. Écoutez, effectivement, je pense qu'au niveau de l'expérience, l'équipe grandit d'année en année, de sortie en sortie. La qualité des joueurs sénégalais, on en discute pas. Ça, c'est clair et net. Ça date pas seulement de cette génération-là. Même avant cette génération-là, il y a toujours eu un très bon réservoir de qualité de footballeurs sénégalais. Mais comme je le dis, avoir de la qualité ne suffira pas. Il faut d'autres armes, il faut un état d'esprit, il faut des comportements, il faut un mental très fort. On sait qu'en Afrique, c'est très compliqué. Mais comme je l'ai dit, nous avons vraiment espoir. Et avec cette Coupe du Monde-là et la CAN 2017, en tout cas, on a emmagasiné assez d'expérience pour pouvoir justement aborder cette CAN 2019 dans les meilleurs auspices.